Alors le CIPA, bien sûr, a eu un événement qui m'a également beaucoup touché, puisque algérien, j'ai été très heureux de voir que l'Algérie a été l'invité d'honneur du CIPA pour sa 3e édition. Et donc le CIPA a montré qu'il s'engage dans une stratégie d'ouverture en direction des pays méditerranéens et en cette occasion vers l'Algérie comme premier pays hôte du CIPA, qui a délégué, comme vous l'avez vu, son plus haut responsable du secteur de la culture, M. Azdine Mihoubi, ministre de la Culture, présent à Arles, avec une délégation comprenant à la fois le consul général et le consul général adjoint de l'Algérie à Marseille, ainsi que 4 directeurs généraux, mes collègues, mes amis, en charge des différents aspects de la planification, recherche, gestion, mise en valeur et développement du riche patrimoine culturel de ce vaste pays qu'est l'Algérie. De ce fait, la matinée du 23 mai a été largement consacrée sous l'intitulé « Carte blanche à l'Algérie » à 4 conférences. La première, présentée par M. Mourad Bouteflika, directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel, a rappelé la diversité et la richesse de ce patrimoine, comme vient de le rappeler aussi Gilles, en insistant tout d'abord sur l'effort exceptionnel consenti pour sa sauvegarde par l'État algérien. Il a souhaité aborder par la suite les grands agrégats sur lesquels travaille le ministère de la Culture, de même que les axes stratégiques visant à une prise en charge du patrimoine culturel dans ses différentes composantes, sur la base d'une appréciation critique des résultats et des performances. Il a également souhaité que son intervention puisse aider à déterminer les axes possibles de coopération avec la ville d'Arles et ses institutions spécialisées, en partant notamment de la prise de conscience des enjeux auxquels est confronté le patrimoine culturel de l'Algérie, qui subit, comme vous le savez, une pression du développement urbain sur ses parties les plus vulnérables. On doit donc faire face à des problématiques particulières de conservation et de préservation en s'assurant de l'existence d'une documentation scientifique et technique de qualité. Il s'est félicité également de la coopération déjà bien engagée avec l'équipe d'experts du Musée de l'Art antique et notamment M. Patrick Blanc, ici dans la salle, que je salue, dans le domaine de la restauration des mosaïques antiques dans un pays qui possède une surface de mosaïques de plus de 4000 m², ce qui n'est pas une mince affaire. Le nombre de biens protégés au titre du référent juridique qu'est la loi 98-04, avec ses 33 textes d'application, s'élève à 1013 sites, y compris les centres historiques urbains, et pour une mise en œuvre réalisée actuellement par 60 institutions, employant au total 3100 personnes. Ce sont là des éléments d'information importants qui nous permettent de juger de l'effort consenti, comme je l'ai dit au début, et qui a été souligné par M. Bouteflika. Mais en dépit d'une stratégie d'investissement public sur un total de 231 opérations, les résultats ne semblent pas être totalement satisfaisants, comme l'a récemment démontré une évaluation critique. Aussi, le ministère s'est-il résolument engagé dans une politique visant, pour l'horizon 2025, une reconnaissance du patrimoine culturel comme vecteur de développement. Ça, c'est un aspect qui a été beaucoup cité par la suite au cours de cette conférence, avec une phase d'optimisation des ressources, une phase de mise à niveau, une phase d'externalisation des ressources et une phase de génération des ressources en associant le plus possible la participation citoyenne. La seconde conférence portant sur le projet en cours des fouilles archéologiques dans la Basse Casbah d'Alger a été présentée par M. Toufik Hamoum, directeur du Centre national de recherche archéologique, qui est également ici et avec lequel j'ai la chance de travailler. Il a mis l'accent dans son une intervention sur cet exemple de bonne pratique qui est le résultat d'une coopération exemplaire engagée depuis 2013 avec l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, en France. Il s'agit d'une fouille menée sur une superficie de 3500 m² à l'emplacement d'une future station de métro qui passe dans la Basse Casbah d'Alger, site du patrimoine mondial. Donc là, vous voyez tout de suite les difficultés, les enjeux qui peuvent naître d'une telle situation. Un métro, un site du patrimoine mondial. Et cela a permis, cette fouille, menée donc conjointement par le Centre national de recherche archéologique algérien, le CNRA, et l'INRAP, a permis de mettre au jour un riche potentiel archéologique qui se développe sur plusieurs strates, dont la première est datée du 1er siècle avant l'ère chrétienne et dont la plus récente relève de l'époque ottomane, avec des traces d'habitat et une occupation continue et sans hiatus. C'est important, il l'a souligné, une occupation continuée sans hiatus depuis la période antique
jusqu'à la période médiévale, alors que habituellement dans les sites que nous avons fouillés en Algérie, on a toujours ce hiatus, ce gap qui existe entre la fin de l'Antiquité et le début de l'époque médiévale. Il s'agit donc là d'une découverte exceptionnelle. La fouille qui s'est déroulée sur une période de 21 mois et avec des travaux post-fouille de 19 mois qui vont s'achever dans quelques semaines, vont permettre de présenter des résultats d'une grande densité d'occupation, d'une grande complexité de structure, et à la lumière des expériences similaires de fouilles menées suite à l'aménagement de stations de métro, notamment à Athènes et à Rome, les études en cours proposeront au public un aménagement présentant sous une forme muséographique les vestiges ainsi que le mobilier qui seront donc conservés in situ. La troisième conférence a été présentée par M. Faisal Ouaret, qui est ici avec nous et que je salue, directeur général de l'ARPC, Agence de réalisation des grands projets culturels, qui a souhaité associer, et c'était donc une innovation dans le salon, deux jeunes architectes, dames, qui étaient en stage ici à Arles et qui ont participé à l'illustration d'un projet de création du musée d'art moderne d'Oran, dénommé le MAMO, que l'ARPC a réalisé en qualité de maître d'ouvrage délégué dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine moderne. Mais c'est également un exemple pour ceux qui ont travaillé la matinée sur les questions de réutilisation, de réhabilitation de patrimoine, de structures modernes qui n'étaient pas destinées à être des musées. Nous avons là un autre exemple d'une réutilisation d'un bâtiment qui était une galerie, galerie commerciale. C'était l'équivalent de Galerie Lafayette, si vous voulez. Ça s'appelait les Galeries algériennes. Et le projet a porté sur la réutilisation à des fins culturelles d'un édifice construit à Oran à l'époque coloniale et qui avait donc une fonction purement commerciale. Classé en 2013 comme bien culturel, sa reconversion a été faite sur la base d'un vaste programme de réhabilitation et de mise à niveau en conformité avec sa nouvelle fonction. Cette expérience réussie de réutilisation d'un bâtiment dont la qualité architecturale était reconnue, mais qui avait souffert, bien entendu, d'abandon, de dégradation, s'inscrit dans la continuité d'une approche similaire appliquée aux ex-galeries algériennes d'Alger, qui abritent également le musée d'art moderne de la capitale. La quatrième conférence a été présentée par M. Abdelwahab Zekar, qui est ici aussi, que je salue, directeur général de l'OGBCE, Office de gestion et d'exploitation des biens culturels, avec une autre opération de restauration de grande envergure, toujours dans la basse Casbah d'Alger, à savoir la mosquée Ketchawa. Après avoir expliqué la mission mixte de services publics à 80% et commercial à 20% de l'OGBCE qu'il dirige et qui emploie 1700 personnes et travaille sur 36 régions, M. Zekar s'est attaché à illustrer le projet de restauration entrepris sur un monument majeur de la basse Casbah d'Alger et rappeler l'histoire particulière de cette mosquée qui a été construite d'abord au XIVe siècle, puis réaménagée et agrandie à l'époque ottomane, transformée en église et nommée cathédrale Saint-Philippe en 1832, avant d'être reconvertie en mosquée en 1962, après l'indépendance de l'Algérie. Donc, des différentes occupations et réoccupations et transformations de cette mosquée devenue église, puis redevenue mosquée. Les différentes transformations de cet édifice, de même que sa situation dans une zone sismique, sur un terrain partiellement occupé par une grande citerne romaine, jamais fouillée, a-t-il souligné, ont gravement affecté les structures des minarets ainsi que de la façade et rendu complexes les travaux d'urgence entrepris tout d'abord en 2008 pour régler les problèmes de stabilité, puis des travaux de restauration plus systématiques qui ont pu être lancés en 2013, suivis par l'OGBCE grâce à l'offre de la Turquie et de la coopération d'une entreprise turque pour la restauration de cet édifice. Ces quatre conférences qui ont marqué donc la présence de l'Algérie au début de cette rencontre du CIPA ont permis, j'espère, de mieux connaître les éléments constitutifs du patrimoine culturel de l'Algérie, ouvrant des perspectives en vue du renforcement de la collaboration entre les institutions spécialisées dans les différents domaines de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel de la ville d'Arles et des institutions algériennes. Ces conférences se sont poursuivies par une autre conférence au cours de laquelle M. Patrick Blanc, conservateur-restaurateur et directeur de l'atelier de restauration du musée départemental de l'Arles antique, a exposé un historique de sa participation à la formation des restaurateurs algériens dans le domaine spécifique de la mosaïque antique.
rappelant la richesse du patrimoine antique de l'Algérie, et notamment de ses mosaïques. M. Patrick Blanc a évoqué ses activités de collaboration à la restauration depuis plusieurs années déjà, 2002-2003, année de l'Algérie en France, dans les sites prestigieux de Timgad, Lambèze, Djémila, Cherchel, Tipaza, des musées de sites qui relèvent de ces sites, de même qu'au musée de Constantine et du musée national des antiquités d'Alger. Les exemples de formation, aussi bien dans les ateliers d'Arles que dans les sites algériens, ont été l'occasion de faire état du transfert de connaissances réussi qui s'est poursuivi dans le cadre du projet Mosaïcon. Et ici, je me permets de faire une petite parenthèse personnelle. Ce n'était pas dans les conférences. Quand j'étais directeur général de l'ICROM, j'ai eu l'honneur d'initier et de lancer, à partir de 2008, en collaboration avec le Getty Conservation Institute et avec l'ICCM, the International Council for Conservation of Mosaics, le projet Mosaïcon. Et je suis très touché, très heureux de voir que ce projet continue à vivre. J'avais à l'époque proposé au ministre de la Culture de Tunisie que ce soit une collègue tunisienne qui partait justement à la retraite, Madame Aïcha Ben Abed, d'être la coordinatrice de ce projet. Et Aïcha Ben Abed m'a écrit aujourd'hui. Donc, vous voyez, les choses se regroupent et j'en suis particulièrement heureux. J'étais heureux aussi de rencontrer les stagiaires algériens qui ont participé à ces formations qui se sont poursuivies jusqu'à ce jour. Avant la pause déjeuner, nous sommes passés, disons, de situations normales dans les pays qui ont un riche patrimoine culturel. Nous sommes passés à la conférence de M. Yves Hubelmann, directeur de la start-up qui se dénomme Iconem et qui a porté sur les questions délicates et hélas actuelles de la documentation des sites du patrimoine culturel mis en péril ou endommagé par les guerres et les conflits internes, notamment au Proche-Orient et en Asie centrale. Yves Hubelmann a rappelé que la conservation des données se pose partout et dans tous les cas où nous sommes témoins de désastres naturels, de surexploitation des sols ou de conséquences d'un développement mal maîtrisé. Mais elle atteint à présent un caractère d'urgence suite aux situations de crise et de guerre interne qui se sont multipliées depuis les récentes décennies. En partant d'exemples des interventions de cette start-up qu'il a créée sous le nom d'Iconem, Yves Hubelmann a démontré les avantages des missions de relevé par drone et la création de bases de données numériques qu'il a menées en accord avec l'UNESCO en Afghanistan, en Irak et en Syrie, sur des sites non accessibles car souvent minés ou encore sous la férule de groupes terroristes comme ça a été le cas récemment à Mossoul. Les images de sites majeurs du patrimoine comme Herat, Messaïnak en Afghanistan, Nimroud, Samarra, Bardad en Irak ou tout récemment ceux du krach des chevaliers de Palmyre en Syrie ont été présentées et commentées, mettant en relief tous les avantages que ces nouveaux procédés de relevé peuvent apporter à la connaissance et à la planification des travaux de réhabilitation et de reconstruction. La session de l'après-midi a poursuivi lors d'une première intervention sur le thème des relevés numériques et des nouvelles technologies de documentation des monuments, animée par M. Bouzid Sabeg. Elle s'est poursuivie par une conférence abordant les questions relatives aux matériaux qu'est la pierre, illustrée par les ateliers portant sur la relation pierre et vin. C'est donc, avant d'arriver à cette conférence qui était annoncée, nous avons eu également droit à aborder un thème similaire à celui que Hubelmann d'Iconem avait abordé et qui porte sur l'expérience de la société Art Graphique et Patrimoine qui a son stand ici au sein du CIPA et qui a fait une démonstration détaillée de toutes les étapes de relevé du site prestigieux du Pont du Gard. S'appuyant sur une riche collection de prises de vue vidéo et photos de ce monument, avec une résolution et un système de points qui se chiffrent par milliards, le conférencier a considéré que la technique de relevé numérique à l'aide de drones pour un monument aussi complexe que le pont du Gard est une continuité logique des relevés et des dessins exécutés auparavant par des méthodes classiques mais qui nécessitaient un temps de réalisation très long. Ces applications numériques sur le pont du Gard permettent de fournir des données sous différents types de formats exploitables par tous, depuis le relevé extrêmement détaillé permettant de voir les traces d'outils ou les marques de tâcherons sur la pierre jusqu'aux documents pouvant servir à la médiation culturelle. Ces travaux de relevé, comme dans le cas du pont du Gard, sont effectués à la demande généralement de la DRAC et de la structure en charge de la gestion du pont du Gard. En réponse à une question sur la possibilité d'intégrer davantage de données dans le rendu
des relevés. Il a été répondu qu'en tant que société privée, Arts Graphiques et Patrimoine répond très précisément au cahier des charges et que toute demande supplémentaire a naturellement un coût. Par la suite, la conférence portant l'indication géographique de la pierre naturelle, une véritable appellation d'origine contrôlée, animée par notre ami Gilles Martinet, a été présentée par plusieurs experts qui ont fourni toutes les explications techniques relatives à ces deux notions, l'IG, l'indication géographique, et l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, qui protège les produits manufacturés à partir de la pierre et des ressources. Et de ces ressources. Il s'agit donc, en résumant le développement illustré par Mme Claudine Malfilâtre et de M. Didier Palix du Centre technique des matériaux, de préciser et de faire connaître la certification du produit avec sa dénomination, son origine et sa qualité en vue de lutter contre la concurrence déloyale et l'importation de produits n'ayant pas les mêmes qualités techniques. Pour mieux comprendre le processus mis en place, un diagramme détaillé a permis de comprendre la manière dont un organisme de défense et de gestion a été mis en place, représentant tous les opérateurs en vue du respect des indications de l'INPI, c'est l'équivalent de l'OMPI pour la propriété intellectuelle, en matière d'établissement d'un cahier des charges, ainsi que des étapes définies pour l'évaluation de la conformité des produits délivrés. Des exemples de ce processus pour les différents bassins d'origine des pierres ayant une IG, donc vous savez ce que c'est maintenant, ont été fournis, notamment pour le granit de Bretagne. Cette communication a été suivie par celle de M. Christian Laurent, président de RONAPI, association créée il y a 2 ans, et dont l'objectif est de développer la connaissance du matériau pierre, de son utilisation et de la promotion des savoir-faire dans ce domaine. Son action s'applique à cartographier les zones d'exploitation des roches ornementales, et notamment des roches marbrières, et de faire revivre les réseaux de professionnels de la pierre naturelle dans la région Rhône-Alpes. Il a été rappelé que 80% de la pierre utilisée en France, maintenant, aujourd'hui, est importée et qu'il est par conséquent urgent et important de mieux faire connaître aux opérateurs le label IG qui représente une garantie et un atout de qualité avec la valeur ajoutée du réseau de professionnels et d'intervenants dont l'expérience est reconnue. Ce thème et ce concept de l'IG ont été présentés comme une contribution où la France est considérée comme précurseur. Dans un esprit marqué par une approche scientifique minutieuse des qualités de la roche et du développement des territoires ruraux, ainsi que de la mise en lumière du rapport souvent méconnu entre la pierre et le vin, les ateliers intitulés « Pierre et vin », qui avaient été programmés donc dans l'après-midi d'hier, ont largement contribué à une prise de conscience de ce que l'on peut considérer comme un des éléments importants du riche patrimoine immatériel lié à la production viticole de qualité. Ouvrant la session à ce sujet, Mme Claire Cornu a fait un véritable plaidoyer pour la conservation des murs, des murets et des enclos en pierre sèche, au nom du collectif représentant les muraillers et les architectes travaillant dans ce domaine. Elle a présenté des inventaires et des typologies de ce mode de protection et de valorisation des terrains en pente, dont les qualités et les attributs ont été reconnus, pour certains, comme sites du patrimoine mondial ayant une valeur universelle exceptionnelle, comme par exemple les climats de Bourgogne en France, les vignobles du Douro au Portugal ou les vignobles de Lavaux en Suisse. Les illustrations de situations très diverses de cette technique ancestrale dans les campagnes où la terre arable doit être préservée ont permis de comprendre que ces murets sont devenus des marqueurs du paysage dont les dénominations varient selon les régions et qu'il convient de protéger et de sauvegarder car, dans leur sobriété, ils sont porteurs de valeur et représentent un agent essentiel de protection des sols contre l'érosion et, de ce fait, constituent un levier en matière de ressources économiques. La discussion qui a suivi a porté sur la part du gypse dans la constitution de ces murs de pierre sèche et notamment son rôle dans le collage du vin. Le géologue et œnologue professeur Georges Truc a pour sa part insisté sur les relations entre terroir viticole et granit dans la morphologie particulière de la vallée du Rhône, qu'il considère comme un territoire emblématique, patrie des grands vins rouges et des grands vins blancs. Il a démontré sur la base d'une analyse très précise les 3 rôles que joue le granit dans cette vallée. D'une part, en armant le paysage des versants, ensuite en procurant les matériaux pour fabriquer les murettes, et enfin, en étant la source des nutriments minéraux qui agissent de façon très subtile dans la composition et la qualité du vin.
ont suivi cette présentation, celle de deux propriétaires de vignobles, passionnés par la qualité de la production viticole dont ils sont responsables, en étroite communion d'ailleurs avec le discours du précédent géologue et œnologue, expliquant leur compréhension et leur adhésion dans leur domaine au rapport entre la qualité des sols, leur composition, leur topographie, leur orientation par rapport au soleil, facteurs qualifiant l'originalité de leur cépage. Ce sont les domaines du château Mourgues du Grès et le domaine des Masques, présentés successivement par Madame et Monsieur François Collard et par Monsieur Sébastien Ballester, qui, en vignerons fiers de leur production et de la qualité de leur vin, ont ensuite invité tous les participants à une dégustation fort attendue qui devait clôturer cette première journée du CIPA. Toutefois, avant de passer à la dégustation, à la phase dégustation des vins, les participants à cette première journée ont pu bénéficier encore d'une présentation dynamique de la French Tech Culture, la French Tech Culture, label attribué par l'État à 18 métropoles en France pour la promotion de la culture. Ce fut donc Madame Fanny Dutré, représentante de la société The Bridge, qui a démontré comment s'est développée l'action de soutien numérique dans une région qui regroupe 10 agglomérations abritant près de 10 millions d'habitants et dans laquelle se trouvent 5 sites inscrits dans la liste du patrimoine mondial et où se déroulent 9 festivals. S'agissant d'un écosystème à fort potentiel culturel, il paraissait évident qu'il fallait y encourager le développement de la société numérique pouvant aider à l'accompagnement et à l'accélération de start-up. Une des applications de cette nouvelle société a été présentée par Madame Fanny Dutré dans le cadre de Geovina, une apps qui permet de trouver toutes les informations relatives au vin et à l'œnotourisme avec la géolocalisation des caves et des domaines dans les zones autour de la production vinicole. Autre innovation également présentée tout à fait en fin de soirée hier par M. Cyril Yelly de la société Astragal, celle utilisant des pierres connectées dans les explications concernant les circuits culturels et les visites de monuments pouvant être automatiquement reliées au téléphone portable sans avoir le Wi-Fi. Aujourd'hui, Arles, 24 mai 2017, la matinée de la seconde journée du CIPA a été consacrée sous la présidence de Mme Maria Finders, directrice des stratégies du projet LUMA, au thème de grande importance relatif à la réhabilitation des friches industrielles avec une question fondamentale, quels enjeux économiques et patrimoniaux. 4 experts et responsables de projets ont abordé au cours de leur communication différents angles relatifs à cette question des friches industrielles qui pourraient faire à elles seules, comme l'a suggéré la présidente de séance, l'objet d'un séminaire de 3 jours. Le premier intervenant, M. Paul Smith, directeur général des patrimoines au ministère de la Culture, a traité dans son exposé de la réhabilitation des friches industrielles en mettant en doute la compatibilité du terme « réhabilitation » auquel il préfère ceux de « reconversion », « réemploi », « recyclage » ou « remise en état » pour traiter de la préservation des sites industriels. Partant d'un bilan rétrospectif sur ce sujet, il a considéré que la reconversion n'est pas un phénomène nouveau et de nombreux exemples jalonnent l'histoire des villes ou des bâtiments industriels qui ont connu des réutilisations. Ce qui apparaît à l'époque contemporaine comme une nouveauté, c'est la tendance à une reconversion vers des usages culturels de sites qui pouvaient être des usines, des entrepôts, des gares. Et les exemples présentés dans diverses régions de France, mais aussi en Angleterre ou en Italie, sont tout à fait éloquents à ce sujet. Ce regard renouvelé des architectes sur les friches industrielles est visiblement lié à la crise économique. Et c'est l'un des effets de la mondialisation qui a conduit à des délocalisations, à des abandons de zones industrielles entières aux abords des grandes métropoles, comme par exemple la conurbation du nord de France ou des villes comme Paris ou Londres. Un phénomène intéressant à noter dans ce processus de réappropriation de ces espaces souvent abandonnés est celui de l'intérêt qui leur est porté par des architectes vedettes, comme les a désignés Paul Smith, tels que Jean Nouvel, Renzo Piano, Ricciotti, Herzog et Desmeuron. La question des bonnes pratiques a été donc considérée comme fondamentale pour le succès de ces entreprises de reconversion des friches industrielles, en mettant en exergue les principes de sauvegarde de la morphologie des biens concernés, de la prise en compte du concept de régénération urbaine, que les Anglais nomment conservation-led regeneration, appliqué notamment à Liverpool, auxquels il faut ajouter les principes de visibilité de l'intervention contemporaine et d'une programmation appropriée qui tienne compte de l'histoire du monument et de la valeur de témoignage
qui mérite d'être bien représenté en vue d'éviter certains contre-exemples comme celui de l'usine à air comprimé de Paris. La seconde conférence, présentée par M. Lionel Pouget, responsable de la Samoa, c'est le même nom qu'une île du Pacifique, s'est concentrée sur la situation de la ville de Nantes et sur la politique suivie dans cette métropole de l'Ouest par la création remarquable du quartier de la Création en lieu et place de 150 hectares de friches industrielles sur l'île de Nantes, qui posait des enjeux majeurs pour leur développement après la fermeture progressive de la plupart des industries de la ville. Des réflexions ont été engagées pour valoriser ces friches et apporter des solutions qui participent à la mise en valeur de cet espace stratégique. Le constat qui en a été fait est que le public culturel s'est réellement approprié ces friches et a permis donc à Nantes de redécouvrir cette partie de la ville. On voit ainsi que l'on a pu passer des industries navales aux industries créatives. Quant à la troisième conférence, fruit d'une expérience particulièrement longue et patiente de Mme Véronique Wood, que nous devons à Mme Véronique Wood, architecte du patrimoine, elle participe à une intervention en amont de la zone, d'une zone industrielle qui se trouve dans la commune d'Annonay, en mettant en place un cadre d'intervention global qui s'appuie sur une étude de détail des cadastres anciens, source d'une connaissance indispensable pour tout projet de reconversion du tissu industriel de cette ville, qui présente une image dégradée de son centre historique, accompagnée d'une paupérisation et d'un mitage de sa périphérie. C'est donc à un enjeu de taille que sont confrontées les autorités locales d'Annonay pour éviter la perte de l'identité historique de leur agglomération, qui avait connu dans le passé un essor considérable, notamment grâce à l'énergie hydraulique et à l'existence d'un réel patrimoine industriel monumental. Là également, le potentiel de réhabilitation est considérable, a affirmé Mme Wood, qui défend avec passion la mise en place d'un plan de protection de l'ensemble du périmètre de la ville d'Annonay, avec les usuels documents de servitude qui s'appliquent et apportent un regard différent sur cette problématique de la réutilisation, de la reconversion. La dernière conférence de cette session consacrée aux friches industrielles nous a ramenés à Arles, où M. Jean-Bernard Memet nous a donné une information de grande qualité sur la friche industrielle Lustucru et de son histoire carrément digne d'un roman policier. Il a en effet joué le rôle d'un Hitchcock pour comprendre où et comment cette halle d'acier a été construite, de quelle manière elle a été installée au nord de la ville d'Arles. Et c'est grâce à cette recherche documentaire qu'il a été en mesure de retracer l'histoire de cette halle, une des premières structures de France construites en acier, dans les ateliers de Gustave Eiffel à Levallois-Perret. En dépit de certains épisodes d'inondation et même d'un début d'incendie, l'état sanitaire tel qu'examiné par Jean-Bernard Memet est tout à fait satisfaisant et ne nécessite pas d'importants travaux de restauration. Reste à savoir à présent à quel futur sera destinée cette halle qui a déjà commencé à être réappropriée par les graffeurs et qui n'attend plus que des propositions pour sa réutilisation, probablement à des fins culturelles, comme l'ont démontré avec brio les premiers intervenants de cette session. Le CIPA va fermer ses portes. Mais avant de le faire, je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux aux organisateurs et animateurs de cette rencontre internationale, qui a été d'une richesse exceptionnelle. Elle a été riche par l'accueil méditerranéen, je dirais, que nous avons reçu et l'hospitalité algéro-française que nous avons eue à côté avec les boissons, le thé à la menthe, les gâteaux maghrébins. Bref, nous ne nous sentions pas à l'étranger, mais nous nous sentions chez nous. Je voulais aussi dire combien nous avons été touchés par la présence de M. Michel Vauzelle, avec qui j'avais lancé ici à Arles, il y a peut-être 20 ans, je crois, le master de conservation qui était détaché de l'Université d'Aix-en-Provence et qui avait été placé ici. Je voudrais saluer M. Schiavetti, M. Morizard, pour leur accompagnement durant notre présence ici. Et je voudrais dire à tous ceux, toutes celles et à tous ceux qui sont ici, combien j'ai appris. Vous savez, on a beau avoir sillonné le monde comme moi dans divers pays, dans diverses régions, chaque fois, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et je peux dire très, très modestement que j'ai appris énormément durant ces deux jours. D'abord parce que Gilles m'a installé ici et qu'il ne fallait pas que je bouge. Et je crois que je n'ai pas bougé. Mais aussi parce que j'ai écouté à la fois des présentations, mais aussi des discussions extrêmement intéressantes. La dernière, que je n'ai pas rédigé parce que je n'ai pas eu le temps, ça s'est passé il y a à peine quelques minutes,
portant sur le statut de conservateur-restaurateur. C'est un sujet très important. C'est aussi un sujet actuel. J'ai rappelé rapidement que c'est un sujet que l'UNESCO, l'ICROM, le Conseil de l'Europe ont mis dans leurs agendas et qu'il faudra continuer, je crois, la discussion pour avoir, face à tous ceux qui interviennent. Vous savez, dans l'intervention des monuments aujourd'hui, dans l'intervention d'une fouille, et nous le voyons maintenant de façon très claire, on est passé d'une phase où, dans les années, je ne sais pas, début du siècle dernier jusqu'à la moitié du siècle dernier, dans les années 50, etc., qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait un archéologue, parfois avec un dessinateur, parfois avec un photographe, aller sur le chantier et faire tout. Aujourd'hui, c'est une vision qui est totalement dépassée. De la même manière, il n'y a plus de travaux de chantier, de restauration qui se fassent ne serait-ce qu'avec la même équipe. Et je vais vous donner juste un seul exemple. Depuis pratiquement 20 ans, depuis que le conflit du Cambodge a été réglé par les accords de paix de Paris en 1992, je participe chaque année à une mission, nous sommes quatre. Pierre-André Lablaude, qui était conservateur à Versailles, Giorgio Croci, professeur à l'Université de Rome et spécialiste d'ingénierie de structure historique, professeur Hidaka du Japon et moi-même comme archéologue. Parce que nous avons considéré, et ça a été une demande de tous les États qui ont contribué aux opérations de sauvegarde du site d'Angkor, qu'il fallait régulièrement faire un état d'avancement des travaux et discuter avec chacune des équipes. Et parmi les propositions que nous avons faites il y a déjà maintenant quelques années, sur un des temples que les Chinois sont en train de restaurer, parce que chaque pays a généralement décidé de prendre un grand temple et d'y travailler, il y a des éléments de décor sur les corniches, qui sont des décors peints, et qui sont très fragiles à cause du climat, bien sûr, du Cambodge. Eh bien, nous avons fait appel à une spécialiste française qui est au laboratoire de Clermont-Ferrand, à l'université de Clermont-Ferrand, pour venir faire les analyses des pigments et les analyses du support de ces pigments pour savoir comment travailler et comment restaurer. Donc, c'est tout. C'est juste un exemple pour vous dire, aujourd'hui, le travail que vous faites, chacun dans vos spécialités, n'est plus du tout un travail isolé. C'est un travail de groupe, c'est un travail collectif. Et ce que je retiens aussi comme leçon de ce que j'ai entendu ici, c'est le fait qu'il y ait ici une présence importante des plus hauts responsables du patrimoine algérien, c'est que ce travail, il faut le faire aussi en collaboration, en coopération. Il y a des pays qui n'ont pas les mêmes histoires ni les mêmes expériences dans le domaine du patrimoine. Et je crois qu'il est important de faire en sorte que nous partions tous avec l'idée que c'est le même patrimoine que nous gérons, c'est le patrimoine commun de l'humanité. Je vous remercie de votre attention.